Bon ben voilà, l'échangeur remonté pour le transport pour pouvoir s'accrocher ici et ici au moment de la levée et l'installation à bord du bateau. Je ne sais plus si j'avais montré ce côté-ci, c'est fini. Fixation sur la palette, pareil de l'autre côté, sanglage, prêt à faire les 25 derniers kilomètres avant d'arriver au bateau. Je range tout ça dans la voiture et puis on attelle la remorque et dans 50 minutes on est parti. Bon ben voilà, on a sorti le moteur de la remorque, on a mis la drisse de spi et la drisse de grande voile, la drisse de spi ici, la drisse de grande voile je l'ai mise sur le bout qui est là parce que ce petit crochet là, ah, il y a juste une petite vis de 12. Donc ça va être du 10, hein, je pense, le pas de vis, qui est à peine pris là-dedans. Ça, c'est une fonte d'aluminium. C'est un peu fragile. Par mon bout, c'est un peu plus sérieux. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire glisser. Un coup de nettoyage de la baie moteur. On aperçoit ici l'arbre à coupler, ici. Donc réglage, bah, 6 degrés de liberté, hein, enfin 5. 5 degrés de liberté, puisque le 6e degré de liberté, c'est la rotation comme ça. Donc va falloir l'orienter comme ça, l'orienter comme ça, voilà, deux rotations, la troisième rotation on vient d'en parler, pas besoin. Ensuite positionner comme ça, positionner comme ça, positionner comme ça, et puis voilà. Alors la technique que j'envisage au niveau de mon arbre d'hélice, je vais chercher son point de fonctionnement d'équilibre pour bien le positionner. Et puis, quand ce sera en face du tourteau ici, je mettrai un jeu de cale tout le tour pour avoir la même épaisseur, hein, le même petit dixième de millimètre, tout le tour. Et là, à ce moment-là, le moteur aura été bien réglé. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer, le faire glisser pour pouvoir réinstaller le moteur, puisqu'on est dimanche, mardi soir, mise à l'eau. Moteur installé, merci Kylian pour la pompe à eau. Cylindre bloc 9 serré, réglé. On a recoupé les vis, on les a mises dans l'autre sens, bien plus pratique. Et puis là-bas, réglage des alignements. Ici, je pense que ça a bougé un petit peu, hein, parce que là, je vois, j'ai encore un problème d'alignement quand on a serré. Il faudra le redéplacer un petit peu, tu vois. Bon, bah demain, réglage parce qu'on n'est pas. On n'est pas aligné, il y a un petit décalage. Dès qu'on a serré les cylindres blocs sur le châssis, ça a dû bouger très légèrement. Bon, en tout cas, positionné, et on est quand même pas mal. Là, on est parfaitement aligné partout. On le voit bien ici. Voilà. Tout à l'heure, j'avais un millimètre d'écart. Lui, le côté moteur devait aller sur tribord, c'est-à-dire de ce côté par là-bas. Donc là, maintenant, c'est bon. J'ai mesuré les écarts ici et ici, ce qui fait que la rotation moteur, comme ça ou comme ça, est bonne. Et la hauteur, on est pareil. Le jeu qui est ici et le jeu qui est en dessous. La rotation comme ça, alors on va pas voir, je vais mettre comme ça, la rotation comme ça ou comme ça, elle est bonne aussi. Et puis ensuite la hauteur de l'arbre, c'est-à-dire comme ça là, la hauteur du vilebrequin est bonne. Là ici j'ai un petit écart, mais parce que c'est le poids du tourteau, c'est-à-dire que quand je le prends et que je le manipule haut et bas, mon point milieu, il est là. Ce qui fait que quand je suis au point de milieu, bah, ça rentre
tout seul. Voilà. Allez, on assemble et c'est bon. Pour le réglage du moteur en rotation comme ça. Ici, le cylindre bloc. On a un trou oblong devant, on a un trou normal derrière, ce qui fait que ça permet de faire déplacer par rotation du cylindre bloc, de la semelle, ce qui permet de déplacer l'axe d'un côté. Il faut faire la même chose de ce côté-ci pour ne pas les mettre en tension. Et si je fais pareil à l'arrière, bah c'est l'ensemble du moteur que je déplace. Si je veux lui donner simplement de l'angle, je ne touche pas l'arrière et je fais déplacer l'avant, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. La longueur comme ça, bah c'est le tourteau qui vient se fixer. La rotation comme ça, on s'en fout puisque c'est la rotation moteur. Donc on a parlé de cette rotation-là. La rotation comme ça, eh bien c'est en réglant la hauteur de devant et la hauteur de derrière de façon à pouvoir être bien. Alors, remontage en cours. Il reste encore pas mal de petites choses à faire. La batterie ici à placer. Le câble plus de sur le démarreur qui fait tout le tour et qui remonte au connecteur batterie 1 là-haut. Comme vu dans une des premières vidéos de démontage. La commande de gaz ici et la commande de stop ici. La manette est ici avec son support, avec les deux petites vis qui sont ici. Le gasoil à raccorder, l'eau de mer, arrivée d'eau de mer ici et au niveau de la partie arrière. Donc, le plus démarreur, je vois pas bien, ouais, ici. Le plus démarreur, c'est un câble qui passe comme ça et qui remonte et qui va sur le switch batterie 1 ici. Donc le gasoil, retour gasoil qui est ici, avec ici, départ gasoil ici, avec le support de décanteur, qui vient se fixer hop, ici. J'avais parlé dans une des vidéos de démarrage, une pompe de gavage, une pompe de gasoil à amener. En fait, elle est là. Elle est ici. Voilà. Et la manette se trouve là. Alors, je la touche normalement. Voilà, là, je la touche. Je touche la manette. Hop. On ne voit pas bien ici. Et puis, je pensais que c'était la manette. Où est-ce qu'elle est la manette? Si, c'est ça. Et qu'on met un peu de peinture dessus. Elle s'est un peu collée. Alors, hop. Voilà. Qu'est-ce que je vois là? Ça, c'est le filtre. Voilà. Tac. Ici. Et là, on a le système de pompe. Voilà. Alors, qui a dû recevoir, hop, voilà. Donc là, on voit bien. Alors, je vois bien. Donc voilà, la manette, là, on la voit bien. Je pompe. Comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y a eu de fait? Il y a eu encore l'ensemble de l'échangeur au haut de remontée avec les nouveaux manches en silicone. Ici c'est câblé, il va falloir que je reprenne le serrage du système de silencieux d'échappement, le tourteau, donc l'accouplement rigide est monté, donc le moteur a été bien calé. Ici la commande de l'inverseur a été remonté, on a vérifié la bonne position, ça fonctionne bien. Il me reste encore ici le retour d'eau du presse-étoupe. Ça, c'est l'arrivée d'eau. C'est l'arrivée d'eau qui va aller sur un tube ici.
Voilà. Allez, je fais ça. Et puis après, je mettrai de l'eau, du service d'eau, à la place de l'eau de mer pour faire une tentative de démarrage. Il y a bien entendu le remplissage du liquide de refroidissement. Et c'est parti. Je commence par installer la batterie moteur pour la mettre en charge. Bon, batterie montée, elle est en charge. Le câble qui remonte là, comme ça là. Câble plus démarreur branché, serré. L'écolier, hop, serré pour avoir le cheminement. Et le câble remonte ici pour être câblé là-bas. Tout est serré. Ça fait joli avec les durites toutes neuves, les cylindres blocs tout neufs. La petite peinture rouge sympathique qui brille bien. Hop, ici. Donc tout le câblage électrique a été fait, hein, rebranché, repositionné correctement, désoxydé, serré, graissé. Le câble de masse qui est ici. Initialement, il était sur une des trois vis du support moteur arrière là. Elle était ici. Sauf que ici, faut pas que ce soit mis à la masse. Toute cette partie-là, ça ne doit pas être mis à la masse. C'est marqué ici. Voilà. Manche à air avec le filtre à graisser que j'ai graissé. Monté. Le bouchon de vase expansion monté avec ses tuyaux. Tout ça raccordé, vissé. Je vais faire le plein. Il me reste encore à brancher l'eau de mer, le gasoil, encore. Et puis la commande de gaz. C'est parti. Prêt à démarrer. Vas-y. Donc démarrage du moteur. C'est son deuxième. Ouais. Voilà. Deuxième démarrage. J'ai contrôlé les fuites gasoil là-bas. Les fuites d'eau. Les cylindres doivent travailler. Et voilà, 3 cylindres ça vibre. Alors peut-être que le régime est un peu bas. Et là quand on parle d'alignement pour le. Bon, voilà, allez on éteint. Tu l'éteins ? Voilà. Arrêt du moteur. C'est bon. Ça marche. Alors. Le moteur a démarré, hein. Là je vais ranger mes outils, on va le mettre à l'eau. Alors pour ceux qui vont me dire, oui mais l'eau de mer dans l'impeller, etc. L'impeller est monté à la graisse siliconée, il est bien lubrifié. Donc là pour les quelques minutes de fonctionnement, donc je l'ai démarré deux fois, à peu près à la même... je l'ai démarré une première fois qui était long à démarrer puisque toutes les durites haute pression étaient sans gasoil. Et puis la deuxième fois c'était pour faire la vidéo, hein, voilà. Donc j'ai ajouté une petite pompe, une petite poire ici pour pouvoir pomper de façon à ce que ce soit, d'ailleurs ce que je ferai, je la mettrai en ligne droite, tac, avec un petit riselant avec le truc mieux orienté quand je changerai le tuyau. J'ai acheté ça parce que ce matin quand j'ai voulu pomper là-bas, bah, la purge j'arrivais pas à la faire. Donc, c'est dû à deux problèmes. Une grande longueur d'air pour aller pomper et surtout un volume tout petit sur la petite pompe là-bas. C'est vraiment une petite pompe de rien du tout. D'accord ? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai ajouté ça parce que là, il y a un volume quand on presse. On sent vraiment le gros volume remplir tout ça. Et le deuxième souci ce matin, c'est que mon décanteur qui est là, qui est à peine visible et que j'ai déjà filmé. Tac. Le décanteur qui est ici était pas serré, donc il y avait une prise d'air, donc je pouvais toujours pomper, je pompais de l'air. Voilà, donc voilà, c'est bon. On va le mettre à l'eau et puis on finira le nettoyage
et puis mes durites d'eau de mer, je les changerai hein, parce que c'était prévu à être changé, mais j'ai dû les recevoir, je crois aujourd'hui, j'ai reçu un SMS tout à l'heure, j'ai dû les recevoir. Le tuyau de gasoil, pareil, hein, c'est du 8 mm partout, j'avais acheté du 10 mm, et même le retour où j'avais mesuré 10 mm là-bas, sur le retour gasoil, c'était pas du 10 mm, le tuyau c'était bien du 8, parce que ici, sur le réservoir, c'est bien du 8. Voilà. Les préparations pour la mise à l'eau. Positionnement du parclège au point prévu. Donc les deux vitres là, qui est le chef de bord, hein, qui gère. Et puis bah, après il y a une petite traversée de parking et la mise à l'eau. Centre de gravité qui est positionné au niveau de la quille, hein. Enfin du lest. La quille, c'est la pièce longitudinale. Donc là, ça y est, il est levé l'hiver. Il repose sur l'avant, il repose sur l'arrière. Grand patin, ça c'est bien. Et puis ben, voilà, c'est parti direction la cale. Le lest reposait aussi sur des bastins, de façon à pouvoir bien prendre la charge. Marche arrière. Et la cale. Et là, il va falloir que le petit bateau se pousse parce que on va se mettre sur la droite. Légèrement comme ça, ça va me rabattre légèrement comme ça. La place est là-bas, ça rentrera en face. Là. Capitaine est bon. Bonjour.